Ce que le Bouddha a à nous dire, si aujourd'hui la figure du Bouddha touche tant de gens, l'image du Bouddha est déjà une transmission de l'esprit de la méditation. On n'a pas besoin d'être bouddhiste pour sentir cette qualité de présence qu'est le Bouddha. On est un peu pris par l'idée, est-ce qu'il faut qu'on devienne bouddhiste ou pas? Et là, il faut rappeler que le terme bouddhiste n'existe pas en Orient. C'est une invention occidentale qui est vraiment centrée sur est-ce qu'on est une chose ou une autre. Le livre présente l'exemple du Bouddha et les pratiques qu'a donné le Bouddha pour chacun d'entre nous, en ne parlant pas des aspects religieux ou rituels de l'aspect bouddhiste. Pourquoi quand on voit une image, une sculpture du Bouddha, qu'on le voit assis, ça nous parle de quoi, cette image? Ça nous parle d'un état de présence, où on peut être vraiment présent ici au monde, que cette présence, elle n'est pas centrée sur soi-même. Méditer, c'est s'ouvrir au monde, s'ouvrir à soi, aux autres et au monde dans le même mouvement. Et puis, il y a une autre chose, je pense, qu'on peut voir dans une sculpture du Bouddha. On voit aussi que cette présence irradie de bienveillance, qu'il y a quelque chose comme une absence de violence, une absence d'agression. Je crois que cette inspiration qu'on peut sentir, que tout le monde peut sentir simplement en regardant une sculpture du Bouddha, eh ben, au fond, nous pouvons la vivre aussi. Et c'est à montrer cette expérience que chacun peut faire en voyant une image du Bouddha que ce livre veut réussir à montrer.